Bon, et c'est reparti, Xenoblade Chronicle, épisode je ne sais pas combien, j'ai pris une heure et demie, donc on va faire épisode 4 peut-être. Épisode 3, l'idée. Et donc, enfin, on va commencer à se bagarrer un petit peu. Il faudrait que j'essaie de faire un échange, je crois que j'ai jamais essayé de le faire encore. Bon, pas de chance. Alors déjà, on va ramasser toutes les merdes qui traînent. Ah oui, les monstres ils font blanc alors que j'ai gagné des niveaux entre temps, non? Alors, si je me souviens bien, je sais qu'il y a des petits latex. Je sais qu'il y a des... Là, sur la plage, il y a des monstres qu'on rencontre pour faire des quêtes. Fourmis, c'est épineux, ça... Ouais, ça, c'est un boss. Les ennemis sont beaucoup plus puissants que les autres ennemis. Sans soigneur, c'est pas grave. Je tenterai. Mais d'abord, j'aimerais bien faire quelques quêtes. Si je pouvais gagner un niveau ou deux avant de le tenter. Par contre, il va m'attaquer, on est d'accord. Ah non, il m'attaque. Ah, tiens, c'est le seul. C'est le seul boss qui t'attaque pas à vue. Les ennemis qui attaquent à vue, c'est genre celui-là. Voilà, vous voyez, un petit œil. Allez, lui, il est complètement innocent. On va voir ce que ça fait quand on le tape. Est-ce que j'ai bien trimé? Ah oui, attendez, j'avais dit. Bah, attendez. Ah oh, j'ai complètement foiré. Pas grave. Boum. Ah il est tout petit. Voilà, d'abord on a affaibli sa défense, et après... Merde. Que foiré, il s'est retourné. Tombe. Ah bah, je suis là. Voilà. Alors je sais que je suis censé parler plus que ça pendant les combats, mais j'aime bien la musique. Alors, est-ce que ça apporte notre endroit? Ah merde. Bon, ça doit être dans les 15-20%. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerais Rain, donc bon... C'est... merde, c'était pas la bonne touche. C'était pour rentrer à l'inventaire. C'est ça. Notre petit travailleur. Donc il y a une barre qui est apparue à côté des points d'ex, c'est les talons, hein, de l'arbre de talons que j'ai montré la dernière fois. Donc lui, tank, voyez voir. Il faut être plus réactif. Ça c'est pour prendre l'aggro. Et ça c'est pour charger le pouvoir. Et pour reprendre l'aggro, ça marche à tous les coups. Ah oui, alors comme c'est faux. Donc on a ces petits QTE hein, qui arrivent de temps en temps qui permettent de... qui permettent de gagner de la tension de combat. Vous voyez qu'il est en feu maintenant, parce qu'il a fait un coup critique. J'ai gagné des cœurs aussi. Et ça permet... la tension permet de faire plus de dégâts. Bon, ça augmente la précision. L'esquive aussi. En gros, ils se battent mieux, voilà. C'est tout ce que ça permet de dire. Allez, merde, j'utilise ça alors qu'il m'attaque déjà. Après, je pensais le faire tomber. Hein. Alors, toutes les attaques ne font pas plus de dégâts. Hein. Parfois, les attaques de base que je fais, ça suffit. Putain, la vache! Ah bon, ça serait du matin, hein, le temps que... par contre, les batras, on s'en fout, en fait, c'est du moins cool. Alors, si je m'approche trop, ils vont m'attaquer. Hein. Il y a que ça? Là, il me semblait qu'il y avait des monstres à tuer ici. Il me semblait. Alors, peut-être le jour, hein. Alors, en tout cas, la plus grande force de ce jeu, c'est de ne pas obliger les gens à utiliser le motion gaming hein, pour un jeu Wii. C'est trop bien. Bon, allez, toi. J'ai vu que ça tombe de bien avoir la groupe. Disons que... Ça me permet de lui faire des dégâts chaque fois qu'il m'attaque.
Ah merde, il a résisté. Bah oui, je me suis déjà aussi. J'ai essayé de le faire tomber sur la perche. C'est pas ça une défense. Ah bah pas tard. Ah, il arrête pas de faire des coups critiques, le petit gars. Le petit Shulk qui a quand même passé un putain de savon au gros soldat de la mort. Hein. Bon allez. Après franchement, je le sens pas le boss, même au niveau 6, mais bon, attendez. Par contre, il faudrait pas que je prenne Ryan pour ce combat, parce que s'il meurt du coup, bah, game over. Ce jeu utilise le même principe que Final Fantasy XIII, hein. Si toi tu perds, on s'en fout de tes potes, c'est toi qui compte. C'est le seul perso qui joue. Il joue apparaît lui. Ah merde, ça y est, il fait jour. Ok, bon, bah, j'espère que le boss il est pas parti. Qu'est-ce qu'il faut que je me tue lui? Pas grave, au pire, on remonte dans le temps. Ça c'est de la magie ça d'ailleurs. Ah bah oui, il fait les tuer, voilà. Là de tuer ces trucs. Merde. Ah bah j'avais... Voilà, deux quêtes d'un coup. Bon, c'est un sorcier d'or, c'est énorme. Yeah. Ah, j'ai gagné une petite étoile de réputation. Attaque-moi. Attaque-moi, j'aime avoir mal. Waouh, tu l'as mis dans la gueule. Et les ennemis le jour sont quand même beaucoup plus faciles. Hein. Allez. J'ai vu un ennemi blanc là-bas, c'est trop le boss. Hein. Ouais, mais putain! La vache! Mais quel bruit! Ouais, même pas besoin de tanker. En fait, je voulais garder mon pouvoir pour au cas où. Putain, il y a un point d'exclamation là-bas. C'est lui le boss? Voilà, il est toujours là. Donc, on va gentiment changer de perso. Au cas où. Alors, ce serait bien de pouvoir le tuer comme ça, mais. Alors, avec une musique qui est très connue, l'une des musiques les plus connues du Xenoblade Chronicles, c'est la musique des boss. J'espère que vous aimez la guitare. Alors, déjà, ça commence bien, j'ai l'impression qu'on a un gros. Ah non, c'est là. Allez, je me soigne. J'ai pas gagné là. Ah, j'aurais dû garder ça pendant qu'il était par terre, je suppose. Wouah, attends, il a l'air le tank. Faut pas le retenir. Wouah! Non, c'est bon, je m'en vais. Alors, on peut s'enfuir, hein, y'a pas de soucis. Wouah, ce qu'il lui a mis dans la gueule. Je sais pas juste ce que c'était. C'est bon, on peut s'enfuir sans trop de problèmes, moi. Bah écoutez, on a tenté, hein. Oh la vache. Faut les tuer, ça aussi. Ah, j'aurais peut-être pu attendre qu'il était sous. Mais arrête de te prendre toutes les attaques au monde, là. C'est pas tenté. Comme dans World of Warcraft, si on a faute du tank. Et du funny, en fait. Ouais, on peut tenter de monter. Allez, on va rejoindre... C'est vrai que je regarde un peu mes quêtes du quête. Journal de quête. Donc, il est pas super bien fait, c'est vrai que, bon... Ça, c'est fini, c'est là. Alors, Bernie... Putain, faut les ouvrir une par une. Alors, la pique zourde. Le stick léger... Ah, la pique, ça poigne. Bernie Kayaf, il y en avait pas en bas des Bernie Kayaf. Les Berma, c'est quoi que j'ai tué? Ah non, c'était Bernie des Flammes, ok. Les Flammives du Lac.
Fais un petit détour, tant pis je couperai ça au montage. Ah bah c'est là, les flamifs du lac. Alors eux ils vont m'attaquer en groupe, normalement. Ah, peut-être qu'ils sont trop loin maintenant. Ça va. Alors, je crois qu'il a fait un gros. Waouh, il fait protéger avec ses ailes. Aïe. Non, ça va, je suis assez loin là-dedans, je crois. Bam. Putain, même. Putain, c'est passé à travers la garde, sans coup, vraiment abusé. Allez, faut partir de deuxième. Voilà, j'ai un but par exemple. Ça, mais ça me coûterait rien d'attendre 2 secondes qu'il soigne à fond, hein, tu peux le dire. Ah d'accord, il a de l'armure, j'avais ça. Bon, rien à foutre de l'armure. Ah non, il a pas d'armure, c'est l'armure que je lui ai fait perdre. Putain, justement, faut que je sois pas nager. C'est un debuff, c'était pas un buff. J'ai eu un œuf non fécondé, je crois que j'en ai 20 points de quête. J'ai bien. J'ai du stick léger, ils sont là. Toutes les quêtes sont là. Ah, bravo. Viens vers moi. J'aime bien leur façon de parler entre eux, tu vois. Bon, ça fait un peu Texaco, mais on entend les noms, leurs noms. Ouais. Non, pas la poudre, je suis allergique. Ah, je peux plus bouger. Ah. Ça c'est horrible, c'est pour les tanks. Comme tu peux plus bouger, tu ne peux plus attirer les ennemis sur toi et tes potes se font. Ouah, il y en a un jaune là-bas. Des barbes. Niveau 8, attends, c'est blanc, mais c'est... ils sont quand même un meilleur niveau que moi. Faut pas trop les embêter. Hein. Bon, il va pas l'air agressif. Ah, deux, il y en a deux. Non, là, il y en a qu'un là qui m'attaque. D'accord. Donc j'ai pas montré la deuxième attaque rose. Genre je me souviens plus que c'est... Il n'y a plus que la 2 en fait. Il y a le fameux air slash hein, de Smash Bros. Mais je crois que c'est pas encore ça. Je crois que ça c'est une attaque de zone. Ouais, on tranche. Hein. Ah, ça permet... Mais ça c'est bien quand il y a plusieurs ennemis, là il y en a qu'un. Il y aura plus tard. Ça dure pas très longtemps le truc de moins de défense. Ouais, 600 points de. 600 de thunes. 600 euros pour avoir tué 3 moustiques. Ce serait le bon plan. En plus, t'es d'en tuer un, hein, tu vois. Je sais plus s'il faut les tuer. Ouais. Alors, on va tuer le petit faible là. De toute façon, ils se défendent pas trop. Alors, bon. Ah, attention, il va frapper fort. Hein. Mais non, mais. Mais garde ma gros. Regarde, au moment où je tape, il se retourne vers moi. Et après, une fois que j'ai fini. Il est à l'agonie. On tape, oui, on tape les bébés au sol. Parce que pourquoi pas. Il a gagné de l'armure quand il a fait ça. Ah, c'est ta rage. Oula, attention. Bah heureusement que t'as... Non. Oula, il est pas content. Il a gagné de la défense. Où tu vas? Arrête de bouger. Il va où il se trouve? Un monstre. Ah bah il fallait... Ah d'accord, oui, voilà. Donc, bah j'ai bien fait, tu vois. Donc en fait elle était là la batterie. Même par où j'étais passé, il me semblait que j'avais magie pendant une heure pour regarder ici. Bon allez, on est parti pour la vraie quête. On fait gaver hein. Le dieu de lapin, je sais pas. Alors normalement le premier monstre unique, le premier boss qu'on peut tuer, il me semble qu'il est dans le coin, c'était un espèce de lapin. D'abord en parlant de lapin, il faut que j'en tue pour les quêtes aussi. Alors eux ils vont m'attaquer à deux.
Ah, j'ai un peu ça, peur. Ah bah non, attends. Ah non. D'accord. C'est-à-dire, lui, en fait, celui-là, qui t'attaque un de ses potes, il vient l'aider. Bon, par contre, ses potes, ils vont en rien à foutre qu'ils se battent. Alors je regarde, je sais où il est. Attends, c'est là. Merde. Ça fait deux. Bah écoutez, voilà, on va taper celui-là. J'ai tout faible. On a pas 20 de temps. Bam. Ouais. Merde. Attends, la pique, la poigne, la pique, bon, non, je parle. Je suis toujours sûr. Ah, c'est les gourdins qui s'aident les uns les autres. Ouais. Donc là, là, ils vont bien se battre à deux. Ah ouais, alors du coup, l'attaque de jeu, ça se passe. Bam. Putain, il a gardé un gros tank, pas comme moi. On va peut-être les faire dans l'autre sens. Ouais, je vais pas baisser sa défense avant de taper, quoi. Ah putain, mais je suis naze. Ouais, j'ai appris une nouvelle technique. C'est un petit sang de base. Mais même en fin de jeu, c'est pas mal quand même. Ouais. Voilà, raid. Ok. Donc, j'ai tué les lapins qui se battent en groupe. Maintenant, faut tuer. Ils sont noirs maintenant. Alors, sachant qu'un ennemi, quand il est noir, il vous attaque même plus, même s'il est agressif. Hein. Donc c'est où, hein, je crois que... Ou même si... Enfin, même s'il est agressif, ou même si... Alors, attends, il faut que je regarde qui c'est qui nous attaque. Mais non, mais oui, mais... Bon, bah tout le monde, du coup. Ouah, il a appris à faire un tour du lol. Oh, ça c'était bien. Ah oui, alors j'avais pas parlé de ces QTE. Alors c'est... C'est pas vraiment des QTE, c'est les fameux... Disons que ça fait plus appel à ton timing. Il y avait même dans Dead by Daylight en fait. Les QTE, tu sais quand... Tu sais que... Alors, tu sais que les QTE arrivent. Tu sais sur quel bouton il faut appuyer à l'avance. Mais il faut que tu appuies au bon moment. Sachant que tu as souvent ce facteur de risque. Si tu appuies vraiment au bon moment... Si t'appuies vraiment au bon moment, t'as un gros bonus. x3 d'ailleurs, souvent x3. Et si t'appuies... C'est vraiment... Si t'appuies un quart de seconde trop tôt, et ben c'est plus le bon moment et c'est complètement raté. Donc j'aime bien ça. C'est un peu risque en tout cas. Xenia. Il faut que je les tue. Hein. Je crois pas, hein, mais... Ça fera toujours... Ça roule là. Elle l'a envoyé loin. J'ai changé, en fait. J'ai dit à changer. Je vais le faire, hein, parce qu'à chaque fois j'oublie en fait qu'il faut que soit la première attaque que je fais, c'est celle qui fait perdre ma défense. Inverser les deux. Mais non, c'est pas plus joueur, en général. J'ai déjà fait les lapins, c'est bon. Oh là, il y a un lapin. Ouah, c'est lui. Oui, c'est lui. Ah bah c'est une quête lui, je m'en souviens. Bon, c'est lui. Ah ouais, putain, il est niveau 6. C'est vrai qu'il était plus faible. Allez. Alors on va essayer de gagner ce coup-ci. Hein. Bien. Ah ouais. Non. Bon, ouais, dis donc, c'est pas aujourd'hui qu'on tombe un boss, hein. Allez, on part. Mais oui, j'ai bien fait de pas prendre le temps.
Est-ce que j'aurais pu le soulager en reprenant l'agro exprès? Vous voyez? Attends, je récupère juste les trésors qui sont. Et attends, il est agressif, je me souviens plus. Ah oui, il est agressif. Bon, on va passer vite fait à côté de lui. Juste pour prendre les deux. Tant pis. Mais je vous ai dit, son soigneur, c'est un peu chaud. Alors, si, il y a peut-être un moyen. Attendez. On va redescendre. La Pix Puncher. C'est une quête, ça, mais. On tue des lapinons. Donc là, j'ai réussi le gars, mon QTE tout à l'heure. Vous voyez qu'ils font déjà niveau 1 en tension. Maximum niveau 2. C'est très pratique pour les boss d'ailleurs. Mais très important pour les boss d'être à fond en tension. Parce que bah, les boss sont durs. Mais je parle des vrais boss, hein. Pas des petits trucs comme ça. Bon, que pour les petits trucs comme ça, j'arrive déjà pas à les battre. Ah, on y est presque. Alors, on arrive à l'entrée de la grotte. Toutes les quêtes qui vont avec la grotte. La petite cinématique qui va bien. Je reporte ça d'une main. Mais... うちで心配してるより横で戦ってる方が安心だもん。さ、行こう。やっぱ信用ねえな、俺。みたいだね。 Parce que c'est lourd, hein. Vous avez vu la taille de ces sacs? C'est pas du... Et en plus, ça a pas l'air d'être du tissu de merde. Ah, ça y est, la jauge de formation. Bah, c'est peut-être pour ça que je galérais, en fait. Parce que je veux pas débloquer ça. Lorsqu'un effet bonus, qu'un coup critique est porté. Donc, les effets bonus, c'est genre, par exemple, si je suis qui tape dans le dos. Ou sur le côté, hein, en fonction de ses attaques. Plus sur B à proximité d'un... Ouais. Alors, ça permet de raise les coupins. En échange d'une barre. Et quand on en a 3, on peut faire un super enchaînement. Bah, le final smash de Smash Bros. Par exemple. C'était ça. Ok. Ça, je sais. Hi. Alors, toutes les quêtes. Ah, allez tuer machin. La pif voisée. Donc, ça, tout ça, c'est des. On pourrait les trouver dans la grotte. Hi. Ouais, pendant que je dis être, pas trace s'entend. Ah bon? Ah, il y en a. Ah, d'accord. Hi. Escamade pour. C'est-à-dire, il me donne que 3 quêtes? C'est marrant, dans mes souvenirs, c'était 4. Okay. Alors, soldat random. Alors, du coup, on peut se le faire maintenant qu'on est 3, les. Cochonnerie là, cette cochonnerie de monstre. Par contre, il fait nuit donc je sais pas s'il sera encore là. Que si, il y a des lapis, des lapis, des lapix, des fourmis, des dalix. Merde, je sais plus où il était. Il était plus bas, hein, on est d'accord. Alors, où es-tu? Ah, tu es là. Alors eux, je vais sûrement les tuer parce qu'ils vont me gêner. Alors on peut attirer... Ah merde, je peux pas encore le faire. Ok, plus tard. Bon, sachant qu'on peut les attirer loin de leur petit copain agressif. On va juste essayer de pas le gros boss. Ah merde putain, je voulais le garder pour le boss. Merde, je suis con. Alors, ça, on a un petit peu. En plus, on va commencer avec un petit peu. La barre se vide hein, si on se bat pas. Non, mais non, mais pars pas devant. Qu'est-ce de blonde. Oh, on m'en fout, c'est le temps.
Non. Je peux pas que je tombe, parce que... Ah on va utiliser le sort un peu la rage. Ça ah, 3 ça passe. Alors, une fois que la barre est pleine, il va exécuter l'enchaînement. Donc, quand, pendant l'enchaînement, on attaque chacun notre tour. Et bah, je vais vous montrer de toute façon. Donc, il faut essayer d'utiliser les attaques de la même couleur. Le rouge, c'est le plus efficace vu que c'est les dégâts. Et puis, avec un peu de chance, on a des maillons bonus. Il faut attaquer plein de fois. Mais là, je sais pas. Il a plus... Ouais, je peux le prendre le cas. Ah, c'est bon, bah, qu'est-ce qu'il a donné, il a un gros coffre. Finalement, il donne de l'équipement. Ouf. Genre il a donné 3 armes quoi, mais je n'ai pas besoin de toi. Ça brille, c'est joli. Allez, alors ça avait l'air d'être des armes pour lui. Ah, c'est pas bien ça. Ah tiens, c'est marrant, celle-là elle est moins bien. Ah oui, mais par contre elle est misée maintenant. Ah, pas mal. Vitalité plus, donc ça veut dire que tes ennemis vont l'attaquer plus souvent. Ça, ça a l'air mieux. Par contre, celle-là a des gemmes. Si j'avais des gemmes, j'aurais équipé la dernière. Voilà, ça c'est une belle arme. Eh ben, je pense pas qu'il m'ait donné que des armes, hein. Merde, c'est pas juste qu'il m'a donné. Bon, on va pas remonter à pied, évidemment. On va utiliser notre bon petit téléportation. Voilà. Allez, c'est parti pour la grotte. Alors, j'ai pas vu ce qu'il fallait que je tue, donc on va tuer un petit peu bah, tout ce qui... Comme dans tous les RPG, on va tuer tout ce qui passe. Mais j'apprécie qu'il n'y ait pas des rencontres aléatoires comme dans les vieux Final Fantasy. Ça, j'aimais pas.